Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse abondamment, toi qui me prends en marche maintenant, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie. Je suis très heureux encore d'être en ce moment avec vous, que la faveur de l'Éternel soit communiquée sur tout un chacun, que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment. Merci de prendre encore place à ce rendez-vous. Merci d'être présent. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient ton partage. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce rendez-vous encore qu'il nous donne. Nous sommes toujours dans opérant dans le surnaturel et nous sommes en train de travailler sur un thème important, le sacrifice. Par la grâce de Dieu, j'espère que nous allons atteindre un, nous allons boucler par la grâce de Dieu le thème aujourd'hui et je veux bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Indiana, que Dieu te bénisse. Prophétesse Samuel, que l'éternel te bénisse. Prophétesse Leila, que l'éternel te bénisse. Dior Jésus, que l'éternel te bénisse. Euh, je vois, je vois, je vois. Jenny Coney, que l'éternel te bénisse. Catherine non. Durand, que l'éternel te bénisse. Voilà. Doti Faveur, que l'éternel te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur tous ceux qui sont connectés. Merci de partager cette vidéo dans tous les groupes auxquels vous appartenez. Merci de partager la vidéo. Merci d'inviter vos frères et sœurs à venir suivre euh, cette vidéo afin que de, plusieurs personnes puissent en bénéficier. Prophétesse Elisha, que l'Éternel te bénisse. Euh, Carla, de Poutella, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Dieu bénisse tout le monde. Dieu bénisse tout le monde. Salom à vous depuis votre position. Nous, nous avons traité ce thème, le sacrifice, sur un certain bout de temps. Ça peut faire pratiquement deux mois parce que nous sommes à la neuvième partie donc ça fait voilà ça fait plus de deux mois que nous en parlons Martha blessing que l'Éternel te bénisse Martha blessing que l'Éternel te bénisse depuis Londres je crois si je ne me trompe pas depuis Londres voilà comme je le disais ça fait à peu près deux mois que nous travaillons sur le thème euh, du sacrifice c'est un thème assez important d'où le temps que nous avons mis il n'y a jamais eu un thème qui a été aussi long j'ai voulu aller en détail sur ce thème-là parce que je vous disais pour tous ceux qui veulent opérer dans le surnaturel euh, le sacrifice est le cœur est le centre du surnaturel voilà c'est le cœur du surnaturel et on ne peut pas être surnaturel sans passer par le sacrifice nous sommes donc à notre huitième partie amen à notre plus de neuvième partie et aujourd'hui nous parlons de la divinité, nous avons commencé la semaine dernière. Je pense qu'il y avait eu des questions à la fin de la semaine dernière. Donc, si euh, le groupe de communication peut me ramener les questions pour que, je vois, euh, pour que je puisse répondre à ça, le groupe de communication au niveau de domination optimale, si vous pouvez me ramener la question ou les questions qui étaient là pour que je puisse répondre à ça. Amen. Bien. Donc, nous étions sur la divinité. Euh, comme je dis, par la grâce de Dieu, je pense qu'on va boucler le thème aujourd'hui parce qu'il nous reste juste un tout petit peu à faire. Divinité, il s'agit de quoi euh, Le sacrifice, dans les premières définitions que nous avions données sur le sacrifice, nous avons dit offrande à une divinité. D'accord Et donc, nous avons décortiqué. Il y a celui qui donne le sacrifice, qui est le sacrifiant, on en a parlé. Il y a le sacrifice en lui-même, on en a parlé. On a débouché sur le rituel. On a parlé du sacrificateur et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlons de, 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 de la divinité à laquelle on offre le sacrifice. Amen. Pour ceux qui s'en souviennent, non? la semaine dernière, euh, nous avons touché un peu et j'avais sorti un élément, je rappelle ça puis nous allons bouger. Nous avons sorti un élément et l'élément, c'était quoi? C'était que, euh, avant d'offrir un sacrifice à une divinité, assure-toi d'appartenir à la divinité. En d'autres termes, avant de faire des sacrifices à nous, notre Dieu, parce que nous sommes dans le cadre du surnaturel, nous servons le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Je le dis toujours, en tout cas moi, Herman Quadio, je sers le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. Bien, avant donc, toi qui me regardes, de faire des sacrifices au Dieu d'Israël, il faut que tu t'assures d'appartenir au Dieu d'Israël. Je le disais, que si tu n'appartiens pas à la divinité, en question, euh, tes sacrifices ne le touchent pas. J'ai donné l'exemple d'une un, entreprise qui ne versera pas de salaire à quelqu'un qui n'est pas membre, qui ne travaille pas, qui n'est pas employé. Donc, si la divinité ne te reconnaît pas, tout ce qui est sacrifice que tu vas faire ne portera aucun résultat. Il faut donc t'assurer d'appartenir à la divinité. Et j'avais introduit en donnant deux versets. Le premier verset, Jean chapitre 14, le verset 6. Euh, par lequel la Bible dit, Jésus dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Amen, amen, amen. Et à ce niveau-là, j'avais précisé quelque chose. J'avais dit que dire que Dieu, plus dire que plutôt Jésus est le Fils de Dieu, c'est correct, un certain sens, mais dans un autre sens, ce n'est pas trop correct. Pourquoi? Parce que Fils de Dieu, ça ne signifie pas grand-chose. Pourquoi Parce que dans le surnaturel, il existe plusieurs dieux. Je l'ai démontré un peu dans le monde des dieux. Vous allez voir, on a lu certains versets la semaine dernière. Donc, Jésus-Christ est le fils du Dieu d'Israël. Et la Bible dit, le Dieu d'Israël dit, nous croyons qu'il est le seul et vrai Dieu. Donc, il faut que tu puisses reconnaître dans ton esprit que Jésus-Christ est le fils du Dieu d'Israël, et que tu puisses croire au fait qu'il est mort à la croix pour te sauver, et que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, en dépit de tout raisonnement qui peut battre cela en brèche. Donc, si tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme le fils de Dieu, Dieu d'Israël, si tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux pas appartenir au Dieu d'Israël. Et je l'ai dit pourquoi? Parce que il existe plusieurs personnes qui sont dans l'Église, qui sont rentrées à l'Église. Peut-être j'ai besoin d'une prière, j'ai besoin d'être telle chose, j'ai besoin d'avoir de, 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 ceci ou cela. Mais n'ont jamais accepté le Seigneur, n'ont jamais fait cette déclaration de Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Si tu te retrouves dans ce cas-là, alors il faut que tu comprennes qu'il est fort probable que la divinité le Dieu d'Israël ne te reconnaisse pas parce que tu n'as pas passé le pont que Jésus-Christ de Nazareth. C'était le premier élément, je l'ai expliqué la semaine dernière. Amen, amen. Si vous avez des questions, merci d'écrire les questions parce que je vais terminer tout à l'heure, je ne vais peut-être récapituler, mais dans une dizaine de minutes, je refini l'enseignement sur la divinité. Si vous avez des questions, merci de poser vos questions. Alléluia. Est-ce qu'une personne qui appartient à d'autres dieux peut faire la confession de foi sans y donner son cœur? Je reviens dessus tout à l'heure. Bien. Le deuxième verset que nous avons lu, et c'est là que nous nous sommes arrêtés, quelqu'un marque avec moi Romains chapitre 10, le verset 9. Je vais répondre à la question tout à l'heure. Romains chapitre 10, le verset 9, je crois que nous l'avions lu, et c'était à ce niveau-là que nous nous étions arrêtés. Donc, nous allons partir sur ce passage-là avant de, avant de poursuivre. Romains chapitre 10, verset 9, il dit quoi? Euh, dans la version 8 secondes que j'ai, ça dit... Si tu confesses de ta bouche okay, le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ici, ce passage-là, merci à ceux qui marquent les références. merci de continuer de marquer, de mettre le cœur, de partager cette, uh, cette vidéo. Romains chapitre 10, verset 9, vous voyez, c'est un verset tout simple au plan littéral, tout simple dans la Bible, mais dans le surnaturel, c'est un verset très important. Il parle de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, si tu déclares ton appartenance au Seigneur Jésus, à partir de ce moment-là, tu seras sauvé. En d'autres termes, si tu ne confesses pas de ta bouche le Seigneur Jésus, ton salut est en pointillé. Ça veut dire que ton salut est en pointillé, pourquoi Parce que la divinité ne te reconnaît pas. Et je le disais la semaine dernière, regardez, il n'existe pas de loge il n'existe pas de maison. De spiritualité dans lesquelles on ne fait pas de, de proclamation. Alléluia. Pour rentrer dans une secte, pour rentrer dans toute loge, on va te faire jurer, tu vas déclarer des paroles. Moi, telle personne, telle personne, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis soumis à tel esprit, à tel esprit. On te fait faire des déclarations. Amen. Et cela n'a pas été inventé. Tout ceci vient de la Bible. Je vais lire dans une autre version. Dans une autre version, il est écrit, est-ce que ta bouche affirme devant tout ce que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Oui. Donc, ce qui est important à ce niveau-là, c'est la déclaration que tu dois faire. Et je le disais la semaine passée, il faut que quelqu'un arrive à donner son âme. Parce qu'on entend certaines personnes dire, il a vendu son âme au diable. Alléluia. Il faut que tu sois en mesure de vendre ton âme à Jésus-Christ. Alléluia. Et donc il y a des proclamations que l'on fait. Ce sont des déclarations que seuls les enfants de Dieu sont susceptibles de faire. Quand vous allez aller chez les mystiques, il y a leurs déclarations qu'ils font là-bas et qui montrent qu'ils appartiennent à un Dieu. Alléluia. Partout dans chaque loge, dans chaque sphère spirituelle, il y a des déclarations qu'on fait et ces déclarations montrent à quel Dieu nous appartenons. Nous, le Dieu de la Bible, vous allez voir que dans nos églises, il y a ce qu'on appelle confession de foi. Je crois en l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, on déclare ces paroles, mais beaucoup de personnes pensent que c'est seulement de la récitation. Non. Ce n'est pas de la récitation, c'est un deuxième volet qui te donne le droit d'appartenir au Dieu à qui tu es en train de faire allégeance. Quand un président de la République est nommé, vous allez voir que les chefs d'état-major de tous les corps armés vont le voir et puis prononcent leurs paroles pour lui dire, nous te reconnaissons comme notre chef. Alléluia. Donc, dans le surnaturel, il existe cette déclaration à faire, et c'est par cette déclaration que tu montes et tu donnes ton âme à la divinité, en autres à notre Dieu que nous servons. Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Vous allez voir que euh, euh, dans toutes les, des dans, 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 dans entreprises, que ce soit le président, on appelle sa prestation de serment. Je mets la main sur la bible et puis je déclare certaines paroles. C'est très important. Certaines personnes ont fait des alliances de sang. Toi et moi, on ne va jamais se séparer. Ils ont coupé leur sang, ils ont mis ensemble dans des couples comme ça. C'est des choses qui ont de la valeur. Amen. Donc, il faut que tu apprennes à déclarer ton appartenance au Dieu d'Israël. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des prières, il y a des confessions que nous faisons. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul s'est fait des produits. Oui, ces paroles qu'on déclare, ce n'est pas pour se perdre le temps. Ce n'est pas des paroles qu'on déclare en vain. Non. Ce sont des paroles qu'on déclare parce que nous croyons en ce Dieu-là. Je crois en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je crois en l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Toute personne qui prononce ces paroles de toute son âme, de tout son cœur, qui vit. Ces paroles qu'il prononce réellement, tu es en train de donner ton âme, c'est-à-dire tu es en train d'appartenir au Dieu d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, le Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Moi, je crois au Saint-Esprit. Ces paroles que tu es en train de prononcer, celui, un mystique, ne peut pas le faire. En tout cas, si tu le fais de ton âme. Parce que la Bible dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Donc, si tu n'honores pas ton Dieu du bout de tes lèvres, mais que tu prononces ces paroles de toute ton âme, pendant que tu penses que ce n'est rien ce que tu es en train de faire, tu es en train de, 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 de livrer ton âme à la divinité. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de donner ton âme à la divinité. Église. Tu peux être dans la présence de Dieu sans jamais avoir posé cet acte-là. Sans avoir jamais dit Seigneur Jésus, je te reconnais dans mon cœur. Je te reconnais comme mon Seigneur. Si tu n'es jamais passé par là, c'est que tu n'es pas encore membre de notre royaume. C'est que tu n'appartiens pas encore à notre Dieu. En ce moment précis, tous les sacrifices que tu vas faire seront vains. Je parle de divinité parce qu'il est important pour toi d'appartenir à notre Dieu. Je vous le disais, quand tu es né, tu avais des dieux. Si tu veux quitter tes dieux pour appartenir au Dieu d'Israël, tu dois reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Important. Si tu veux quitter tes dieux pour appartenir à notre Dieu, tu dois faire ces proclamations quand tu te lèves le matin. Béni soit le Dieu d'Israël. Quand tu sors de chez toi, je recommande mon voyage au Dieu d'Israël. Tout ce que tu fais, c'est-à-dire, on doit sentir, on doit savoir que toi, tu reconnais un Dieu, tu reconnais le Dieu d'Israël. Tu dois faire ces proclamations. Et c'est pour ça que quand on le fait, j'ai l'habitude de dire à mes enfants spirituels, ne faites pas ça, ne courez pas, béni soit l'éternel, le Dieu d'Abraham. On n'est pas pressé. Tu es en train de déclarer des paroles, que ce ne soit pas ta bouche, mais que ce soit ton âme qui déclare. Parce que ça a tellement de valeur dans le spirituel, dans le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le sacrifiant que tu es, avant de faire des sacrifices aux dieux au d'Israël, Dieu sois sûr que tu as accepté Jésus. Si tu ne l'as pas accepté, je te donne l'occasion d'accepter, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, je crois en toi. Viens prendre la place dans ma, dans ma vie, viens prendre toute la place. À partir d'aujourd'hui, je te donne mon âme, je te donne mon cœur, je te donne mon esprit. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Il faut que tu puisses faire cette déclaration. Alléluia. Et quand tu as fait cette déclaration, confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Et la confession, c'est de proclamer ton appartenance au Dieu d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? De proclamer ton appartenance au Dieu d'Israël. Quand ceci est fait, ça veut dire qu'à ton niveau, tu as, tu as fait allégeance au Dieu d'Israël. Donc, tu as respecté le premier élément de la divinité. Il y a un deuxième élément avec lequel je veux terminer, qui, va, qui peut peut-être fausser. Hein, ton rapport avec la divinité. Si tu as déjà confessé, tu as fait un premier pas. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que tu sois sûr, alléluia, que tu sois sûr que l'homme de Dieu, je reviens un peu en arrière, que l'homme de Dieu avec lequel tu traites, le sacrificateur avec lequel tu traites, il faut que tu sois sûr que cet homme de Dieu ou ce sacrificateur, vraiment, lui aussi, appartient au Dieu d'Israël. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand j'ai enseigné le sacrificateur la semaine dernière, vous vous êtes rendu compte que le sacrifiant vient déposer son sacrifice entre les mains du sacrificateur et le sacrificateur est censé conduire ton sacrifice vers la divinité. D'accord? Donc si toi, tu as déjà accepté Jésus, ça veut dire que tu corresponds à notre divinité. Ça, c'est le premier pas. Mais comme tu vas déposer ton sacrifice entre les mains d'un sacrificateur, il faut que toi aussi tu t'assures que le sacrificateur en question-là adore le Dieu d'Israël aussi. Pourquoi? Parce que si le sacrificateur adore le mauvais Dieu, tu, il te conduit vers son Dieu. Et c'est pas si on se comprend. Si on hein. ne se comprend pas, posez la question. Le but de l'enseignement aujourd'hui sur la divinité, c'est d'être sûr que ton sacrifice tombe dans les bonnes mains, arrive sur le bon Dieu. C'est la vraie divinité que tu adores. Est-ce qu'on se parle? Donc, premièrement, pour que ce soit la bonne divinité, il faut que toi-même tu appartiennes à la divinité. Si tu n'appartiens pas à la divinité, tout ce que sacrifice que tu fais, le Dieu d'Israël ne le reçoit pas. Et c'est même comme ça pour tous les dieux. Si je n'appartiens pas à, à, à un Dieu quelconque, il ne prend pas mes sacrifices. S'il a pris, c'est que je lui appartiens. Donc, si tu n'appartiens pas encore à Jésus-Christ ou à notre Dieu, le Dieu d'Israël, tes dîmes, tes offrandes, tes actions de grâce, tes sacrifices que tu fais, c'est zéro. Ça n'aura aucun résultat. Donc, assure-toi d'avoir accepté Jésus. Si tu l'as fait, il y a un deuxième élément. Le sacrificateur auquel tu vas déposer chez qui, ou bien auquel tu vas donner, ou bien chez qui tu vas donner, déposer ton sacrifice, il faut que tu t'assures aussi que le sacrificateur un ah, eh, 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 sacrificateur du vrai Dieu, du Dieu d'Israël. Si ce n'est pas le cas, il te conduit vers un autre Dieu. Parce que le sacrificateur t'envoie vers son Dieu. Je vous ai dit que tu ne peux pas, toi, en tant que sacrifiant, aller vers Dieu. Il faut un intermédiaire. J'ai enseigné le sacrificateur la semaine dernière, je crois. Ou bien la semaine suivante. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Je vous ai expliqué qu il faut un sacrificateur. Mais si malheureusement pour toi... Le sacrificateur n'est pas sacrificateur du Dieu d'Israël, même si toi, tu as confessé Jésus-Christ et que le sacrificateur n'est pas sacrificateur du Dieu d'Israël, malheureusement pour toi, ton offrande ou bien ton sacrifice ne va pas sur le Dieu d'Israël, mais il va vers le Dieu du sacrificateur. Est-ce qu'on se parle On va lire un verset pour sur ce sujet-là. S'il y a des questions, posez, posez les questions, posez les questions. On va lire un verset. Quelqu'un marque avec moi 1 Jean chapitre 4 le verset 1. Il y a d'autres versets mais c'est le plus fort. Je vais me limiter à ça. 1 Jean chapitre 4 le verset 1. 1 Jean chapitre 4 le verset 1. Est-ce que c'est -ce est bon Me suit Voilà. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de commenter. Merci de partager. Merci de partager. 1 Jean chapitre 4 voilà. Merci Carla. Que Dieu te bénisse. Verset 1. Il est écrit, écoutez-moi bien, hein? mm -hmm. yeah. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien, il est écrit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Église, je veux être clair. En tant qu'enseignant sur le surnaturel, j'ai le devoir de placer des garde-fous. Parce que l'enseignement du surnaturel, surtout quand j'ai touché le volet du rituel, ça a ouvert la porte à beaucoup de choses. Mais je vais en même temps placer des garde-fous. 1 Jean chapitre 4, verset 1, je reprends la lecture. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, entre autres de notre Dieu, parce que c'est un verset de la Bible. Donc, quand on dit de Dieu, là, il s'agit de nous, notre Dieu. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Quelle est la conséquence d'être avec un faux prophète? Si tu es avec un faux prophète, je suis désolé de te le dire, c'est le Dieu de ce prophète-là qui règne dans son entourage. Un faux prophète. C'est ce prophète-là qui ne, qui ne travaille pas avec le Dieu de la Bible. Quand la Bible dit faux prophète, ça veut dire qu'il ne travaille pas avec la divinité que nous on connaît dans la Bible. Donc, le verset nous dit, éprouvez les esprits. Je veux m'adresser à tous les chrétiens, à tous les sacrifiants, à tous les surnaturels. À partir de maintenant, quand tu es en contact avec un homme de Dieu, éprouve l'esprit. Éprouve l'esprit afin de savoir si cet esprit-là est de Dieu. Parce que malheureusement pour toi, si cet esprit n'est pas de Dieu, c'est cet esprit-là qui règne sur ta vie. Parce que là où tu te retrouves, tu es couvert par ou bien tu es dominé par l'esprit de l'homme de Dieu. L'esprit que l'homme de Dieu adore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es gouverné par l'esprit du sacrificateur établi sur toi. Donc, il faut que tu saches que tu prennes le temps de vérifier, comme le verset le dit là, d'éprouver l'esprit, de ne pas ajouter foi à tous les esprits que tu vois se manifester. Mais prends le soin de vérifier que l'homme de Dieu en question, le sacrificateur en question, le prophète, l'évangéliste, le docteur, le pasteur, l'apôtre en question, travaille avec le Dieu de la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux voir les commentaires? Est-ce que je peux voir les cœurs pour voir si je, vous me suivez? Est-ce que je peux voir les commentaires? C'est très important. Alléluia. Il faut que tu t'assures que l'homme de Dieu en question est en communion avec le vrai Dieu. Sinon, toi, tes sacrifices ne vont pas à la bonne divinité. Je parle à quelqu'un? Si ce n'est pas le cas, ton sacrifice que tu viens de faire, ton taureau que tu as sacrifié, tes dix taureaux que tu as sacrifiés, toi tu as fait ta part parce que toi tu appartiens au vrai Dieu. Mais si malheureusement le prophète, l'homme de Dieu, le sacrificateur auvers qui tu t'es dirigé, éprouve son esprit, si son esprit n'est pas l'esprit du Dieu d'Israël, alors... Il faut que tu t'arrêtes parce que tout sacrifice que tu vas faire là-bas ne va pas sur le Dieu d'Israël, mais ça va sur le Dieu du sacrificateur en question. Est-ce que je te parle? Alléluia. Donc, voici les deux éléments que je viens de donner par lesquels tu peux entrer en contact avec la vraie divinité ou bien que tu peux te tromper. Si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, tout ce que tu fais comme sacrifice est zéro. Ça ne va pas sur le Dieu d'Israël. Soyons clairs dessus. Quand tu l'as accepté et que tu, tu crois en lui et que tu l'as proclamé, à partir de cet instant-là, tu as marqué le premier point. Le deuxième point maintenant, c'est d'être sûr que le sacrificateur auquel tu t'associes tu, tu, tu pour qu'il conduise ton sacrifice vers Dieu, vers le Dieu d'Israël, que tu t'assures que lui aussi, il est sacrificateur du Dieu d'Israël. Parce que c'est l'esprit que le sacrificateur invoque qui sera sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un Donc si ces deux éléments sont respectés, c'est sûr maintenant que tu as affaire à la bonne divinité. Amen amen parce que il faut que ton sacrifice parte vers la bonne divinité. Donc je résume pour dire accepte Jésus, proclame dans ton cœur Jésus de Nazareth. Déclare, proclame dans ton cœur le, ton appartenance au Dieu d'Israël, que ton âme déclare, je crois en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, mais que ce ne soit pas ta bouche, que ce soit ton cœur qui croit en cette parole, que ton cœur croit que tout ce qui se passe dans la vie sur la terre pour toi est le fruit du Dieu d'Israël, la loi de l'appartenance. J'ai déjà expliqué ça. Alléluia. Moi, je dis, et j'ai l'habitude de vous le dire, tout ce qui m'arrive, un bien comme un mal, pour moi, c'est mon Dieu qui l'a autorisé. C'est la loi de l'appartenance. Si je fais quelque chose que ça a marché, mon Dieu l'a fait. C'est la loi de l'appartenance. Si ça n'a pas marché, le Dieu d'Israël ne l'a pas voulu. C'est la loi de l'appartenance. Donc, il faut que tu apprennes à proclamer que tu appartiens au Dieu d'Israël. Quand ceci est réglé, il faut que tu apprennes à vérifier que le sacrificateur avec lequel tu collabores, lui aussi appartient au Dieu d'Israël. Quand ces deux éléments sont bloqués, sont clairs à partir de cet instant précis, tu es sûr que ton sacrifice est conduit vers la bonne divinité qui est le Dieu d'Israël. Alléluia. Mais si l'un des deux éléments manque, si le sacrificateur n'est pas sacrificateur du Dieu d'Israël, ton sacrifice ne va pas chez lui. Ça veut dire que la divinité n'a pas été respectée. Ce n'est pas la bonne divinité en fait. Si toi-même n'as pas confessé Jésus, ça veut dire que ce n'est pas la bonne divinité. Est-ce que je parle à quelqu'un Bien. À partir de cet instant précis, je vais maintenant répondre à la question et puis je vais conclure. La question, c'est est-ce qu'une personne qui appartient à d'autres dieux, d'accord, peut faire la confession de foi sans y donner son cœur? Oui, on peut parler du bout des lèvres. Je veux ramener la question à la personne qui a posé la question. Est-ce qu'un homme ou bien une femme peut dire à une, une femme je t'aime sans que ça ne vienne de son cœur? C'est possible ou bien ce n'est pas possible? Oui, c'est possible. Je peux dire à une femme je t'aime alors que ce n'est pas du fond de mon cœur que je le dis. Une femme peut dire à un homme, je t'aime, alors que ce n'est pas du fond de, de son cœur qu'il le dit. Donc, quelqu'un qui appartient à l'autre Dieu peut faire des déclarations, je crois en l'éternel, le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son fils unique, le roi des rois, mais ce n'est pas du fond de son cœur, c'est sa bouche qui parle. Dès cet instant-là, il n'est pas en train de faire une appartenance. Ce n'est pas de l'appartenance. Quelqu'un peut... Que peut dire de sa bouche Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. Prends toute ta place dans ma vie, c'est sa bouche qui parle. Ce n'est pas, ça ne vient pas de son âme. Et c'est pour ça, justement, par rapport à cette question-là, que la Bible dit, Dieu regarde au cœur pendant que l'homme regarde à l'apparence. Pendant que l'homme regarde à l'apparence, Dieu lui regarde au cœur. Et c'est pour ça encore, Matthieu chapitre 7, verset 21, qui nous, en, qui, qui nous informe que plusieurs diront ce jour-là. Seigneur, n'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? Ça veut dire que ces personnes-là étaient convaincues qu'elles appartiennent aux dieux d'Israël. Le Maître Jésus leur dira, Je ne vous ai jamais connu. Donc tu as chanté, tu as fait des miracles, tu as dansé, tu as fait beaucoup de choses, mais Dieu dit Je ne t'ai jamais connu Pourquoi? Parce que tout ce que tu faisais là, ce n'était pas ton âme qui le faisait. Je vous enseigne le pouvoir de l'esprit. Je vous disais tout à l'heure, on dit à quelqu'un souvent, il a vendu son âme au diable. Est-ce que toi, tu as vendu ton âme à Jésus Donc, pour répondre à la question, oui, quelqu'un peut proclamer, quelqu'un peut dire, il est, il, est, il est mystique. Il y en a, non, il y a plusieurs mystiques dans l'église. Il y a beaucoup de sorciers dans les églises. Il y a beaucoup de, la Bible a dit, de faux prophètes. Les faux prophètes, c'est qui Il a un autre Dieu, et puis il prend la Bible, et puis il fait comme si c'était Jésus qui était son sauveur, et puis il parle de Jésus. Pourtant, il a un autre Dieu. Pourtant, il est un autre Dieu. Donc, quelqu'un peut faire la proclamation. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur ton âme. Ça doit venir de ton âme. Quand tu dis Béni soit l'éternel, le Dieu d'Abraham, c'est ton âme qui doit le dire. Ce n'est pas ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un C'est ton âme qui doit être connectée au Dieu d'Israël. Ce n'est pas ta bouche. Parce que si simplement ta bouche et que ton esprit et que ton âme va douiller et est en train de faire autre chose, ta proclamation n'a pas encore produit son résultat. Est-ce qu'il y a des questions Posez les questions parce que je suis en train de sur ça. Amen, amen. Donc oui, je réponds à la question. Effectivement, c'est possible. C'est possible que tu sois dans l'Église, que tu chantes, que tu prêches, que tu danses, que tu fasses de grosses offrandes, que tu fasses de gros sacrifices sans que tu n'aies appartenu au Dieu d'Israël. Il ne te reconnaît pas. Il ne te reconnaît pas parce que tu n'as pas encore fait ton. ton tu n'as pas encore fait plutôt. Ton, ton appartenance, mais du fond de ton âme, c'est ta bouche qui le fait. C'est ta bouche qui le fait. Alléluia. Tu n'appartiens pas au Dieu d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien. Comment éprouver les esprits des faux prophètes, sachant que beaucoup proclament Jésus, mais dans le secret, ils appartiennent à d'autres royaumes? Merci pour la question. Amen. Comment éprouver, parce que le verset dit, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Écoutez-moi bien, Église, pour tous ceux qui sont en train de suivre les vidéos du surnaturel, je vous ai enseigné, je vous ai enseigné le pouvoir de l'esprit. D'accord Et le pouvoir de l'esprit, je vous ai dit que quand ton esprit est développé, cet esprit-là pourra faire des choses. Ton esprit développé pourra avoir des sensations. Donc, ton esprit a la capacité de te dire, de te dire si cet homme-là... Est un saint homme de Dieu. Ton esprit a la capacité de te dire si cet homme-là est de Dieu ou bien n'est pas de Dieu. La Bible dit, la Bible dit, notre esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Donc, comment éprouver les esprits? Si la Bible dit d'éprouver, de, de, de ça veut dire que le Saint-Esprit a la capacité de, 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 de te dire. Le Saint-Esprit a la capacité de t'interpeller sur le fait que. L'homme de Dieu où tu es là, Amen, n'est pas de lui. Seulement dispose-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme de Dieu où tu es n'est pas de lui. Il faut que tu le saches. Maintenant, l'autre point auquel je vais répondre. Écoutez-moi, on peut se demander, mais je suis dans une église. Je ne sais pas. Ou bien j'ai un sacrificateur, ou bien j'ai un pasteur. Je ne sais pas si cet homme-là est de Dieu ou pas. Mais je fais mes sacrifices de bon cœur. Comment ça peut se passer? La Bible dit, et ça l'Éternel le fait, si toi réellement, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, si tu l'as réellement fait, écoute-moi bien, Dieu trouvera toujours l'occasion de te sortir de là. Donc, toutes ces personnes-là qui sont chez les faux prophètes, alléluia, toutes ces personnes-là qui sont chez les faux homme de Dieu. Quand je dis un faux prophète, je ne parle pas d'un homme de Dieu qui vit dans le péché. Non, non. Tu peux être, il peut avoir un vrai homme de Dieu, mais qui a une faiblesse. C'est un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas ça le faux prophète. Le faux prophète, c'est l'homme qui ne, ne travaille pas avec l'Esprit de Dieu. Voilà. Sinon, on a attrapé un homme de Dieu qui est dans tel péché, qui a détourné l'argent. Ça, ça peut être un vrai homme de Dieu, mais qui a une faiblesse. Ce n'est pas de, de ça que je parle. Mais je parle d'un homme de Dieu. Qui fait, qui, qui fait le ministère avec l'esprit du diable. C'est ça que la Bible appelle faux prophète. Alléluia. Toi qui as vraiment accepté Jésus, euh, euh, tu as la capacité, oui merci ma fille Babette, tu as la capacité d'avoir le discernement des esprits. Et le Saint-Esprit te parlera, à moins que toi-même tu ne sois entêté, sinon l'Esprit de Dieu te parlera pour t'avertir que là, là, ce n'est pas moi. Tu vas voir, il y a plusieurs personnes qui ont dit, j'ai vu des sons, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Je n'étais pas convaincu. Il a bien prêché, hein, mais je n'étais pas convaincu que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parlera. Le discernement des esprits te parlera. C'est pour ça que la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tous les esprits. Non, non, non. N'ajoutez pas foi à tous les esprits. Le Saint-Esprit te parlera. L'Esprit de Dieu te parlera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu es dans ce cas... Ne t'inquiète pas, l'Esprit de Dieu te sortira d'une manière ou d'une autre de cet endroit-là. Pourquoi Parce que toi, tu lui appartiens. Et donc, tout endroit où tu es, tout endroit où les vrais enfants de Dieu sont, tu as fait ton, ton appartenance, mais tu te retrouves dans un endroit où ce n'est pas le Dieu d'Israël qui est là-bas. Le Dieu auquel tu appartiens te sortira de là pour t'envoyer là où il est. Est-ce que je parle à quelqu'un Oh oh, est-ce qu'on me suit Est-ce qu'on me suit Est-ce que je parle à quelqu'un Alléluia l'Esprit de Dieu te conduira dans l'endroit où, où il est. Donc, si quelqu'un a accepté Jésus réellement, du fond de ton cœur, du fond de ton âme, et puis tu arrives souvent, tu parles, tu parles à un programme, un homme de Dieu est en train de prêcher, et puis tu le vois prêcher, il veut prier pour toi, tu n'as pas la conviction que cet homme de Dieu-là doit t'imposer les mains. Tu, tu, tu n'as pas cette conviction-là, tu vois. Il veut t'imposer les mains, il veut prier pour toi. Tu ne sens pas dans ton âme qu'il doit prier pour toi. Ne force pas les choses. Ne force pas les choses. Donc, tout enfant de Dieu qui se retrouve à un endroit, toute personne qui a fait sa loi d'appartenance, qui a déclaré que je reconnais Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, qui a déclaré qu'il veut appartenir au Dieu d'Israël, qui proclame son béni soit l'Éternel. Vous voyez, non, il déclare sa parole, béni soit l'Éternel. Il reconnaît que le Dieu d'Israël, avec lui, toutes ces personnes-là, qui malheureusement sont avec des faux prophètes, Dieu auquel tu appartiens, le Dieu d'Israël auquel tu appartiens, te sortira de là. Mais toi, ne sois pas entêté. Parce qu'il y a des personnes que le Dieu d'Israël veut te sortir. Le Dieu auquel tu appartiens te dit, quitte là. Ce n'est pas moi. Pas de là. Non, je n'ai pas envie de partir. J'ai entendu Claire, mais je ne veux pas. Si tu continues de résister, ton Dieu maintenant t'abandonne. Est-ce que ça peut aller Est-ce que je parle à quelqu'un Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais conclure avec l'enseignement sur le sacrifice. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions Sinon, je vais conclure. Alléluia. Je vais conclure avec l'enseignement sur le sacrifice. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions je vais conclure avec uh, l'enseignement sur le sacrifice. Bien. Donc, on revient pour terminer. Sacrifice, élément essentiel dans le surnaturel. D'accord Sans sacrifice, tu ne peux pas bouger. Nous revenons maintenant au premier verset que nous avons lu. Avec ça, nous avons conclu. Le verset de base. Avec lequel nous avons commencé à traiter le sacrifice, Genèse au chapitre 46, verset 1 à 3. Genèse. Quelqu'un peut marquer la référence? Genèse au chapitre 46, verset 1 au verset 3. Si quelqu'un a peur de faire des sacrifices, je suis désolé de te dire, tu ne pourras pas évoluer dans le surnaturel. Tu n'auras pas de résultat dans le surnaturel. Même à l'église, même, même, même dans le monde spirituel normal, tu ne peux pas évoluer, à plus forte raison dans le surnaturel. Allez-y chez tous, tous les, les ritualistes, hein? tous les autres qui font le surnaturel, regardez au bord des carrefours, je ne vais pas citer des noms, mais regardez les différents groupes spirituels. Vous allez voir que toutes ces personnes-là sont dans des sacrifices. Genèse chapitre 46, verset 1 au verset 3. Est-ce que je peux voir cela en commentaire? Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent maintenant, que Dieu vous bénisse abondamment, la grâce de Dieu sur vos vies. Genèse chapitre 46, verset 1 au verset 3, il est écrit Israël partit avec tout ce qui lui appartenait, il arriva à Beersheba, il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Amen. Est-ce que je peux voir la référence On me suit en montant là, ça va Oh, monsieur, on m'entend, ça peut aller. Esaïe, et, et, et Genèse chapitre 46. Genèse chapitre 46, verset 1 au verset 3. Est-ce que je peux avoir ça en référence? Je peux, je peux avoir ça plutôt en commentaire. 46, verset 1 au verset 3. Bon, apparemment, c'est bloqué à mon niveau. Je ne sais pas si... Ah, ok, désolé, bien, 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 d'accord, c'est déjà noté, d'accord, que Dieu vous bénisse. Je ne voyais pas, je ne voyais pas, c'était bloqué à mon niveau. Donc, nous sommes là. Esaïe 46, verset 1 verset 3, c'est avec là, ça que nous avons commencé. C'était le verset de base. Il est écrit Israël partit avec tout ce, qui lui, tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba. Il offrit des sacrifices. Israël, Jacob, c'est écrit Jacob, hein? il offrit il n'a pas offert un sacrifice. Il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac, la divinité. Donc, Jacob est en train d'offrir des sacrifices. Il n'a pas fait un sacrifice. Les sacrifices-là, c'est toute ta vie. En tout cas, tant que tu es sur la terre, les sacrifices, c'est toute ta vie. Donc, si quelqu'un a peur de sacrifice, je suis désolé. Ton évolution sera compliquée. Et si malheureusement pour toi, tu as des gens qui te combattent dans le surnaturel, là encore, tu as beaucoup plus de difficultés. Pourquoi Parce que ceux qui te combattent dans le surnaturel font des sacrifices. J'ai parlé de ça dans les rituels. Je ne reviendrai pas dessus. On a parlé de ça dans les rituels. Si tu n'as pas suivi, retourne à la peut-être sixième, septième vidéo. On a parlé de rituels. Amen. Et la Bible dit, il offrit des sacrifices à qui Au Dieu de son père Isaac, à la bonne divinité. C'est important, à quelle divinité tu offres le sacrifice Dieu parla à Israël. Donc, le sacrifice qu'il a eu à offrir a déclenché la main de Dieu. Le sacrifice a déclenché la main de Dieu. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il lui dit, Jacob, Jacob, il répondit, me voici. Il dit, je suis le Dieu de ton père ne crains point de descendre car je te ferai devenir une grande nation. Vous voyez comment est-ce que Dieu a réagi la bonne divinité. Écoutez-moi, notre Dieu aime les sacrifices. Et c'est sur notre Dieu que les autres ont copié. Pour ceux qui sont en train de me regarder, personne n'est jamais 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 allé voir un féticheur, un marabout si sans avoir fait de sacrifice. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Bon, je vois une question. Quel genre de sacrifice faut-il faire? Ça veut dire qu'il y a des vidéos que tu n'as pas suivies. Il faut retenir en arrière. J'ai parlé déjà, déjà, j'ai déjà enseigné sur ça. En regardant les vidéos du sacrifice, j'ai déjà parlé du genre de sacrifice à faire. Amen. Notre Dieu aime les sacrifices. Toi qui n'aimes pas faire de sacrifice, tu as un problème avec ton Dieu. Parce que nous, notre divinité, là, il aime les sacrifices. Alléluia. Donc, quand, euh, 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 comment il s'appelle là Isaac a donné ses sacrifices. Regardez, la Bible dit, notre Dieu est descendu vers lui. Notre Dieu est descendu pour lui parler. On va lire encore, on a déjà lu ces versets-là, on va lire pour terminer. Je veux juste terminer avec ça pour te montrer que la divinité que nous prions, la divinité que nous servons, cette divinité-là aime les sacrifices. Il aime les sacrifices. Il aime les sacrifices. Amen, 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 amen. Il aime les sacrifices. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen, amen. Un roi chapitre 3, le verset 4. Un roi chapitre 3, le verset 4. Est-ce que quelqu'un veut me marquer ça en référence? Un roi chapitre 3, le verset 4. Quel genre de sacrifice faut-il faire? J'ai déjà enseigné ça. Donc, regardez peut-être la, la troisième ou la quatrième vidéo j'ai commencé à parler des sacrifices. J'ai enseigné le sacrifiant. Après le sacrifiant, j'ai enseigné le sacrifice à faire. Donc, retournez voir les autres vidéos. Il est écrit, verset 4. Le roi Salomon se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. J'ai déjà enseigné ça quand je parlais de ce qu'il faut donner comme sacrifice. J'ai déjà parlé de ce verset-là. Je reviens juste dessus pour vous montrer comment notre Dieu aime le sacrifice. Alléluia. La Bible dit quoi? Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. Quand Salomon a déposé les mille holocaustes, la Bible dit au verset 5 À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Le pouvoir de la nuit. J'ai déjà, déjà expliqué ça aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur le pouvoir de la nuit. Prière d'aller regarder cette vidéo, le pouvoir de la nuit. Alléluia. Donc, quand Salomon a déposé ses sacrifices, la Bible dit, regardez, il n'a pas prié, il a déposé seulement le sacrifice. La Bible ne nous mentionne pas la prière que Salomon a fait. La Bible dit, Salomon a offert mille holocaustes, mille taureaux. Qu'elle a frappé son sacrifice de mille taureaux, il n'a rien dit. L'Éternel est descendu en songe. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Notre divinité aime les sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un C'est-à-dire, ce n'est pas toi, ce n'est pas Salomon qui allait dire, mon Dieu éternel, Dieu d'Israël, donne-moi ceci. Non, 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 non. C'est le Dieu lui-même qui est venu vers lui pour dire, Salomon, à cause du sacrifice que tu viens de faire là, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Donc, regarde comment les chrétiens, nous nous débattons pour que Dieu agisse. Regarde comment tu pries, tu pries, tu pries. Il y en a qui jeûnent, qui jeûnent pour que Dieu agisse. Lui n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Il a fait quoi? Il a déposé sacrifice. Quand il a déposé ses mille bœufs, la Bible dit, Dieu lui-même est venu vers lui pour dire, demande-moi ce que tu veux. Et puis il a demandé, je veux l'intelligence, je veux la sagesse. La Bible dit il n'y a pas d'homme plus intelligent que Salomon. Ni avant ni après. Plus intelligent que Salomon, ça n'existe pas. Et Dieu va ajouter la richesse dessus. Pourquoi parce que Salomon a fait ce que notre Dieu aime. Notre Dieu, il aime quoi Notre Dieu aime les sacrifices. Et j'ai déjà montré plusieurs versets comme ça. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Lorsque Gédéon a entendu euh, 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 l'ange de l'éternel parler, il a dit à l'ange de l'éternel Attends-moi que j'aille chercher mon sacrifice et que je vienne. La Bible dit L'ange de l'éternel dit Je t'attends. Faut bâtir, je suis là, je t'attends. Ta divinité-là, il aime le sacrifice. Donc, si toi, tu as un problème pour sacrifier, c'est qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas bouger entre vous deux. Est-ce qu'on se parle Ta divinité aime le sacrifice. Et c'est sur nous, notre Dieu, là, que les autres ont copié. Alléluia. Donc, j'ai parlé de sacrifice de, des oiseaux. Quand on fait un sacrifice, le sacrifice d'oiseaux, j'ai parlé de sacrifice de menu bétail, les, les béliers, les boucs, les sèvres, agneaux. Chevrolet, menu, bétail. Et puis, le haut niveau, j'ai parlé de sacrifice de gros bétail, qui est-à-dire le bœuf, le taureau. Donc, c'est dans cette catégorie-là, que tu peux faire tes sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un Donc, si tu n'aimes pas le sacrifice, il te sera difficile. Vraiment, il te sera difficile. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens pleurent. La vie de beaucoup de chrétiens tourne en rond. Il ne voit rien. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour que ton Dieu fasse ce que toi tu veux là Tu es prêt à sacrifier quoi Tu pries pour ton enfant, tu pries pour ton mariage, tu pries pour ta fécondité, tu pries pour ton voyage. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour que ça marche Salomon n'a pas prié. Dieu lui-même est venu vers Salomon pour lui dire, dis-moi ce que tu veux. Tellement que... Il a fait. Le sacrifice a-t-il la présence de Dieu. Genèse 46 que nous avons lu tout à l'heure. Dieu a paru à Jacob et lui a dit N'aie pas peur de descendre en Égypte. Je serai avec toi. Il n'a pas appelé Dieu. Hein? Il n'a pas appelé Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Son sacrifice. Donc, ton sacrifice là, déplace Dieu vers toi. Tu es fatigué de prier Sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un Ton sujet là, ça te fatigue, ça te fatigue. Depuis tu pries, il n'y a pas exaucement. Sacrifice. Sacrifice. Quand tu, te, quand tu es fatigué et que tu veux déclencher Dieu, là, sacrifice. Donc, si tu as un problème avec sacrifice, ah, là, ce n'est pas à mon niveau. Je vous dis, vois Dieu se manifester dans le surnaturel. Le sacrifice déclenche beaucoup de choses. Donc, vous allez voir que tu te lèves, tu arrives dans des carrefours. Bon, ici en Europe, c'est un peu rare. En Afrique, il y a des œufs qui sont cassés là, autour. Allez dans les villages. Il y a des sacrifices à tout moment. La saison des pluies commence. Sacrifice. Ils ont fait leur sémence pour que la semence produise sacrifice. Il y a des gens qui ont bloqué ton mariage avec des sacrifices. Il y a des gens qui ont rendu ton mari malade, qui t'ont rendu toi-même malade, qui ont bloqué ton entreprise avec des sacrifices. Il y a des gens qui ont bloqué tes entrailles pour ne pas que tu aies des enfants avec des sacrifices. Qu'est-ce que toi tu fais pour débloquer ces choses? Alléluia. Si tu as peur de sacrifier, Malheureusement pour toi, ça sera compliqué et difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Retiens que notre divinité, le Dieu de la Bible, il aime les sacrifices. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour terminer, nous avons eu quatre éléments quand nous avons enseigné le sacrifice. On a parlé du sacrifiant. Sois un bon sacrifiant. J'ai expliqué. Va regarder les premières vidéos si tu n'as pas suivi. Tu sauras ce que c'est un bon sacrifiant. Ensuite, je vous ai expliqué les différents types de sacrifices qui existent. J'ai déjà enseigné ça. Les sacrifices institués, les sacrifices révélés et les sacrifices volontaires. Je vous ai dit que les sacrifices institués sont très importants parce que ça vous permet d'entretenir la relation avec votre divinité. Parce que si tu n'as pas une bonne relation avec la divinité, ne t'attends pas à ce qu'il déclenche sa main pour toi. Donc, les sacrifices institués sont importants parce que ça te permet d'entretenir la relation avec ta divinité, entre autres la dîme, entre autres les actions de grâce, entre autres les prières, les, offres, les sacrifices de nouvelles lune les prémices. J'ai expliqué déjà ça, les sacrifices institués. Les sacrifices révélés, le sacrificateur que je suis, je t'appelle pour te dire Dieu m'a parlé, Dieu me dit de te dire de faire trois taureaux comme sacrifice. Ça, c'est un sacrifice révélé, tu exécutes. Alléluia. Maintenant, il y a le sacrifice volontaire. C'est toi-même qui veux faire un sacrifice pour que ton mariage soit débloqué. Ce n'est ni moi ni personne. C'est toi qui dis, je veux faire un sacrifice pour que mon mariage soit débloqué. Je veux faire un sacrifice pour que mon voyage soit débloqué. Je veux faire un sacrifice pour que telle chose se fasse. Je veux faire un sacrifice pour avoir tel résultat. C'est volontaire. En ce moment précis, là, c'est toi qui décides du sacrifice. Mais notre Dieu... Comment on peut calculer, en, comment calculer le type de sacrifice qu'il a fait Je vais vous expliquer trois types. Il y a les sacrifices d'oiseaux, il y a les sacrifices de menu bétail, il y a les sacrifices de gros bétail. On classifie nos sacrifices en cet ordre-là, en animal. Donc, tu décides de donner trois béliers. Maintenant, la notion d'équivalence. Trois béliers correspondent à combien d'euros Trois béliers correspondent à combien de CFA, à combien de dollars en fonction du pays où tu es. Je vais donner dix taureaux pour que mon mariage soit débloqué, pour que ma vie spirituelle soit libérée, pour que mes enfants soient libérés. Je vais donner deux taureaux à l'Éternel. OK. Un taureau correspond à combien d'euros Un taureau correspond à combien de CFA, à combien de dollars canadiens en fonction du pays là où tu te trouves. Tu fais la notion d'équivalence. Et quand tu as fini d'avoir ton sacrifice, tu pars chez le sacrificateur. Tu déposes au sacrificateur. Et le sacrificateur converge vers la divinité. Alléluia. Si l'un des quatre éléments rate, ton sacrifice n'est pas bon. Si tu es un mauvais sacrifiant, toi-même, tu es un mauvais sacrifiant et que tu as le bon sacrifice et que tu as le bon sacrificateur et que tu as la bonne divinité, si tu es un mauvais sacrifiant, ça rate. Si un des éléments n'est pas bon, ton sacrifice rate. Amen. Donc, sois un bon sacrifiant. Il faut que tu aies le bon sacrifice. Que tu sois face au bon sacrificateur et que tu sois face aussi à la bonne divinité, c'est clair que tu as le résultat. Alléluia. C'est clair que tu as le résultat. Je pense pour ma part avoir été assez précis, hein, assez détaillé, les sacrifices. Alléluia. Euh, il faut que, je vais terminer par ceci, il faut que tu apprennes à monter en grade en ce qui concerne les sacrifices. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, tu as donné un sacrifice de, hmm, je vais dire quoi, un bélier par exemple, tu as offert un bélier pour un sujet, il faut que tu saches que la prochaine fois que tu veux faire un sacrifice, il faut que tu apprennes à monter deux béliers. On avait lu des passages quand je parlais du rituel, là on a lu mille holocaustes. Mais il y a une autre, une autre référence quand on a lu, on avait parlé du rituel où Salomon a donné 22 000 bœufs. Là, c'était mille bœufs. Mais après, Salomon a donné 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Vous voyez qu'il est monté encore en grade. Donc, apprends à monter tes sacrifices. Apprends à monter. Alléluia. Et depuis que j'ai commencé à enseigner des sacrifices, les sacrifices, j'ai des témoignages pas possibles. Des gens ont commencé à acheter leur maison, des gens ont commencé à voir ceci, ont commencé à voir tel miracle, des nominations qui sont en train de se faire, des personnes qui pensaient que c'était des choses impossibles, mais seulement le sacrifice. Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas avoir de vie de prière, mais le sacrifice est un raccourci pour toi. Mais alors là, un très grand raccourci pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le centre du surnaturel, c'est le sacrifice. Tout ce que je t'ai appris sur le surnaturel, ce, ce va venir s'arrêter au pied du sacrifice. Si tu ne peux pas sacrifier, il y a des choses que tu ne pourras pas voir. Alléluia. Donc, j'ai donné quatre éléments être un bon sacrifiant. Si tu n'as pas suivi, regarde toutes les vidéos du sacrifice. Tu vas bien savoir c'est quoi le bon sacrifiant. Sois un bon sacrifiant. J'ai donné les conditions. À quelles conditions tu es un bon sacrifiant? Quand tu es un bon sacrifiant, il faut que Dieu, il faut que tu connaisses les sacrifices institués et que tu respectes les sacrifices institués. Quand tu respectes les sacrifices institués, alors tu peux basculer au sacrifice volontaire. En ce moment-là, tu, tu calcules tes sacrifices en animal, en taureau, en bœuf, en oiseau. Quand tu as fini de faire ça... Tu trouves ton sacrificateur, en tout cas un sacrificateur qui respecte notre divinité, et puis tu déposes ton sacrifice. Ça attire la présence de Dieu, ça attire la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. J'espère Je que j'ai été assez précis sur ce sujet-là. Je bénis Dieu pour les 74 personnes qui sont connectées. Je crois par la grâce de Dieu que les résultats seront manifestés dans vos vies. Je vais terminer par ceci. Je n'enseigne pas le surnaturel parce que je m'ennuie. Est-ce qu'on est clair? Je n'enseigne pas le surnaturel pour faire le malin. J'enseigne le surnaturel parce que c'est un mandat que l'Éternel m'a donné. Parce que Dieu veut que les chrétiens soient à la tête et non à la queue. Domination optimale. Soit à la tête et non à la queue. Dieu veut que le chrétien que tu es que tu que tu aies des résultats concrets que dans ta vie tu aies des résultats concrets. Dieu est fatigué de te voir pleurer. Dieu est fatigué de te voir te lamenter, alors qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse te nuire. Mais tu es tellement malmené par la sorcellerie, tu es tellement malmené par le monde des ténèbres, tu es tellement malmené par les mystiques. Pourquoi tu n'arrives pas à t'en défaire? Pourquoi tu n'arrives pas à dominer pourquoi tu n'arrives pas à prendre le dessus? C'est pour ça que nous enseignons le, sac, le surnaturel, pour que tu puisses dominer. Quelqu'un dit avec moi, domination optimale. Alléluia. Je domine. Dis avec moi, domination optimale. Je t'enseigne le surnaturel pour que tu sois à mesure d'opérer dans l'invisible. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi domination optimale? Je t'enseigne le surnaturel pour que tu puisses opérer, pour faire des choses toi-même, que tu puisses débloquer des situations, que ton esprit puisse faire des choses. J'ai enseigné le pouvoir de l'esprit, j'ai enseigné plusieurs thèmes et nous continuons. Mais sache que les le, le sacrifices que tu fais, ces sacrifices-là viennent pour valider ton surnaturel. Alléluia. Ça te rend puissant. Tout sacrifice te rend puissant. Tout sacrifice te donne de l'autorité regardez comment est ce que dans les dans, dans les saisons politiques quand il y a il y a des élections regardez les sacrifices que les, les hommes politiques font tu es un chrétien tu es une chrétienne tu veux être grand dans la politique sacrifice les gens sont en train de faire des sacrifices de deux bœufs de trois bœufs de quatre bœufs toi tu es en train de faire offrande de 20 000 mais ça passe pas je suis désolé notre dieu notre divinité n'a pas d'état d'âme Dieu me comprend, Dieu sait que je n'ai rien, Dieu sait que je ne peux pas. Oui, il sait que tu n'as rien, c'est pour ça que ton niveau-là reste comme ça. C'est la vérité. Je veux être franc avec toi. Je veux être franc avec toi. Alléluia. Les footballeurs qui sont en train de réussir, allez vous renseigner chez les grands footballeurs, allez vous renseigner chez les grands artistes. Il y a toujours des sacrifices en dessous de leur, de leur réussite. Toujours. Des rituels en dessous de leur sacrifice, de leur, de leur réussite. Le grand footballeur que tu vois, il y a un sacrifice en bas. Il y a un taureau, il y a des taureaux. Et le sacrifice s'entretient. Le sacrifice là, ça s'entretient. Ça dit, il faut renouveler. J'ai fait un sacrifice pour avoir, atteindre un poste. J'ai fait un sacrifice pour être nommé ministre. Je dois entretenir le sacrifice pour demeurer ministre ou pour grandir. Je suis dire, Kab. Je suis à tel endroit, je veux monter de niveau, je monte de sacrifice. Le problème de l'Église, c'est que vous êtes trop heureux. Le chrétien a peur de donner, a peur de sacrifier, malheureusement. C'est pour ça que tu te retrouves dans des difficultés. Ta divinité, pour moi, je le dis, il y existe plusieurs dieux. Mais pour moi, Herman Quadio, je le dis et je le déclare, le Dieu de la Bible, pour moi, est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Ça, je l'assume. C'est ma foi. Je crois que le Dieu que je sais est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Ça veut dire que si ce Dieu là au-dessus de tous les dieux, tu dois avoir des résultats concrets véritables. Tu dois atteindre des dimensions, tu dois atteindre des niveaux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. J'ai terminé pour ce soir. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu le jeudi prochain. Amen, amen. On va se retrouver le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Que la main de l'Éternel agisse en ta faveur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel te donne un cœur de sacrifice. Quelqu'un qui aime sacrifier. Que l'Éternel te donne ce cœur-là de sacrifice. Alléluia. Et je sais que le Dieu que j'invoque, le Dieu que je prie, sera toujours présent pour agir dans ta vie après tes sacrifices. Que la faveur et que la grâce de Dieu soient sur toi. Nous avons fini pour ce soir. Nous allons aborder un autre thème par la grâce de Dieu. La semaine prochaine, je bénis Dieu pour toi qui m'as suivi, pour tous ceux qui nous ont suivis. Que la faveur, la grâce de Dieu soit sur vos vies. Et le surnaturel, ça s'exerce. Alléluia. Le surnaturel, ça s'exerce. Le surnaturel s'exerce. Donc, vas-y, commence à essayer les sacrifices. Commence à essayer un sacrifice de un taureau et tu vas voir. Sacrifie deux taureaux pour ton sujet, et puis tu vas voir si ton Dieu ne dit pas la vérité ou bien s'il si ment. Tu verras. Respecte les conditions. Sois un bon sacrifiant. Sacrifie un taureau. Sacrifie deux taureaux. Sacrifie cinq taureaux. Sacrifie un bélier. Sacrifie un bouc. Et puis tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Moi, je sais, et j'ai déjà plusieurs témoignages, et je bénis Dieu pour ces témoignages-là. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, soit, soit dans la grâce de Dieu. Que l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, que l'Éternel, le Dieu créateur du monde invisible, que Jésus-Christ de Nazareth, fils du Dieu vivant, mort et ressuscité d'entre les morts, et que par le Saint-Esprit, souffle du Dieu vivant, maître suprême de tous les esprits qui opèrent dans l'invisible, que la grâce soit sur ta vie et que ta dimension surnaturelle explose. Au nom de Jésus de Nazareth, je le déclare sur toi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, auquel je crois, auquel j'appartiens, qui agit pour toi. Que le monde invisible soit autour de toi à partir de ce, cette prière que je suis en train de faire pour toi. Que le monde invisible agisse en ta faveur et que tu aies des témoignages et que tu aies des résultats concrets. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour tes entreprises, pour tes projets, j'appelle le Dieu invisible vers toi. J'appelle le monde invisible. Je déclenche la manifestation de l'invisible autour de toi. Que tout sacrifice que tu auras à faire, que ces sacrifices-là produisent des résultats dans ta vie. Je me connecte à ton esprit. Pendant que je parle, mon esprit se connecte à ton esprit. Pendant que je parle, mon esprit se déplace dans ta maison et tu sens ce vent qui te souffle. C'est le, le, le vent de l'esprit, le vent de l'esprit qui te souffle pour te dire, j'ai entendu ta voix et je suis prêt à t'exaucer. J'entends l'âme de quelqu'un qui dit, Éternel, fais-moi opérer dans le surnaturel. Fais-moi opérer dans le surnaturel. Fais-moi opérer. Rends-moi grand dans le surnaturel. J'entends ta voix pendant que tu es en train de parler. Ton esprit est connecté à mon esprit et le Dieu, la divinité me dit qu'il est prêt pour toi. Il est prêt à te faire monter dans le surnaturel. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi, soit exaucée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu soit dans ta vie. Nous nous retrouverons le jeudi prochain à 18h de la France. Et nous allons aborder un autre sujet par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Je suis révérend prophète Herman Kwadio, aiguisé pour dominer. Shalom. Que Dieu te bénisse.